Société d'art musical, ça fait 3 ans qu'il se tient à l'MJC. On a passé les 2 premières années, on était entre 4 et 5 participants. Et là, à la rentrée en septembre, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'était les meubles. Enfin, je me suis retrouvé avec 17 élèves. Ça fait quand même très plaisir. Je ne suis pas tout seul, en fait, il y a David et Régis. On va essayer de se refaire l'orchestration de la dernière fois. Susanna avait un accord alterné d'un groupe. Est-ce qu'on peut faire comme d'habitude, c'est refaire un tour de table sur ce que vous faites en single note. Ça joue bien. Ouais. C'est pas grave, mais même si ça déborde, je te dis, hein, c'est un progrès, c'est phénoménal, parce que tu veux isoler une note comme tu le fais là en 3 mois de temps, c'est... Ouais, bien. Les notes que tu t'envoies, elles sont amplifiées comme il faut. Tu optimises vraiment le débit, t'as de belles notes. Ma première préoccupation, très très rapidement, ça a été de me dire, il faut que tu arrives à sortir une note. Bon, il faut sortir la note qu'on a envie de jouer. Mais le but, c'est de serrer cette note. Ça y est, je l'aime. Alors que, au début... Là, je me rends compte, tu vois, je me pose la question, je le tiens parce qu'il faut le tenir. Mais je sais pas si on... Tu vois, il y a de l'air qui passe derrière. Je fais pas attention à bien bloquer. Je devrais peut-être. Hein. Mais là, tu vois, ma première vocation, j'arrive devant, c'est de sortir la neuf. Chacun son niveau. Vos propres niveaux sont les bons niveaux. À partir du moment où on a nos barres d'objectifs. Voilà comment j'ai commencé. Avec note par note, et puis j'ai commencé par des, sans me rendre compte, mais des comptines enfantines. Parce que ça me correspondait bien, je sentais bien les trucs. Donc je faisais la Marseillaise, l'hymne d'anglais, Bani Balou. Et la Marseillaise qui arrive. Les outils de base du technicien harmoniciste, vraiment de base, ça va être la brosse à dents, une lame de rasoir. J'utilise aussi régulièrement des cales d'épaisseur. Tournevis, tournevis plat, tournevis cruciforme. Donc là, vous voyez l'intérieur du capot. On note que les capots, il y a moyen de les nettoyer parce qu'on a de la saloperie qui s'agglomère dedans. Vous nettoyez tout. Un coup de brosse, et là il faut y aller vraiment très doucement. Il faut vraiment y aller en douceur. Cette journée consacrée à l'harmonica sur la MJC de Savigny. Le but de la matinée là, et de l'heure et demie qu'on va passer, ça va être de pouvoir discuter avec Benoît. Je suis certainement le plus ancien des harmonicistes français et je suis sûrement le premier qui a commencé à servir des diatoniques. Si tu étais musicien blanc et français, tu ne pouvais pas jouer de blues.
J'ai eu la chance à Los Angeles de voir à peu près tous les harmonicistes possibles que j'avais. Tous ces mecs-là avaient une technique à eux. Et une fois qu'ils avaient une technique à eux, c'était la leur. Tu vois, et ils jouaient que celle-là. Ils ne cherchaient pas à imiter machin ou à faire machin. Ils jouaient leur truc à eux. Pour vous montrer, on peut pratiquement jouer les trucs chromatiques sans que ce soit compliqué avec un harmo-diatonique. En jouant ce qu'ils en appellent la troisième position, ce qui veut dire pareil que le morceau est en ré, je jouais avec un diatonique en do. On démarre sur les accords, ce sera plus simple pour vous. Je vais commencer la basse comme on a fait dernièrement. C'est mieux, oui, d'accord. Non, mais c'est ça, donc. Théo, ouais. Tu pars, tu me calmes, on se calme, et après ouais. Tu. D'apprendre à partir ensemble, si je puis dire, avec ce contretemps. Pensez-y, ne serait-ce que ça, pensez au morceau, l'écoutez dans votre tête.